C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous regarder à travers le monde. À la une ce soir, le Premier ministre Paimi Padake-Albert a réuni autour de lui ce 9 octobre les responsables des départements de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, les membres du bureau de l'Union nationale des étudiants du Tchad, les acteurs impliqués dans le système éducatif et d'autres personnalités. L'objectif de cette rencontre est d'échanger sur les modalités pratiques pour une rentrée scolaire et universitaire apaisée. Compte rendu, Ghislain Tchianikoudou. Conscient de l'enjeu majeur lié à l'éducation et à l'enseignement supérieur, le chef du gouvernement, Paimi Padake-Albert, a tenu à rencontrer tous les acteurs impliqués dans la gestion du système éducatif en vue de statuer sur les défis à relever pour une rentrée scolaire et universitaire apaisée. De prime abord, le Premier ministre a salué la volonté des uns et des autres qui a abouti, malgré la conjoncture, à la validation de l'année scolaire et universitaire 2016-2017. Il souhaite qu'il en soit ainsi pour l'année en cours. Paimi Padake-Albert sollicite une gestion concertée des défis qui restent à relever. Les échanges ont porté notamment sur les arriérés de salaire, la bourse des étudiants et le versement des primes des examens et concours. Le président du syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur, Girayo Jérémy, demeure optimiste quant au climat de la rentrée scolaire et universitaire de cette année. Le Premier ministre a donné des instructions au service des finances pour essayer de résoudre les problèmes au niveau des institutions supérieures pour que les choses puissent démarrer dans les bonnes conditions. Et donc nous osons croire que ça ne serait pas une simple promesse, mais ça serait une réalité qui serait effective. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Makaya Santaïso, des dispositions sont prises par le gouvernement pour que la rentrée scolaire et universitaire se déroule dans des bonnes conditions. En conclusion, nous sommes tous d'accord, tous les partenaires sociaux et le gouvernement, sur une rentrée apaisée. Maintenant, chacun fera des efforts afin que cela soit tout à fait apaisé. Et donc, du côté du gouvernement, des instructions ont été données pour qu'on assure tout au moins progressivement le paiement des bourses en retard, et qu'on paye aussi les arriérés de salaire et des primes des enseignants, et qu'à partir de maintenant, qu'on assure la régularité dans le paiement des mois en cours. Nous pensons que la rentrée académique que nous envisageons le 16 octobre serait effective. L'ensemble des acteurs du système éducatif ont accordé leur violon pour une rentrée scolaire et universitaire apaisée. Le chef du gouvernement, Paimi Padake-Albert, les a invités à privilégier le dialogue afin de faire face aux difficultés que rencontrent les départements concernés.